Bonjour, je m'appelle José McFadden. Et moi, Joanie Paquette. Nous sommes des étudiantes de troisième année en soins infirmiers au Cégep de Rimouski. Dans le cadre de notre cours Pratique professionnelle, nous avons choisi de vous présenter l'infirmière praticienne spécialisée de première ligne. Avant de débuter la présentation, nous voudrions remercier Audrey Lortie, IPSPL, à Portneuf dans un groupe de médecine familiale. Celle-ci a bien voulu répondre à nos questions. Les objectifs de notre présentation sont d'être capable de nommer deux lieux de pratique de l'IPSPL ainsi que deux actes réservés à celle-ci d'ici la fin de la présentation. Mais qu'est-ce qu'une IPSPL? C'est une infirmière de première ligne qui assure des soins infirmiers et exerce des activités médicales auprès d'une clientèle de tout âge, donc du bébé jusqu'aux soins palliatifs. Elle peut travailler en région éloignée, poser certains actes à l'urgence, exercer en CHSLD, dans les centres de détention, dans les centres de protection de la jeunesse, les hôpitaux, les CLSC, les résidences privées, les GMF et même au domicile de la personne. Le but de son travail est d'améliorer l'accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité des soins et des services de première ligne. L'IPSPL doit suivre une formation spécifique, c'est-à-dire qu'après son baccalauréat en soins infirmiers, elle doit travailler 3360 heures en soins de première ligne, donc dans une clinique privée, un groupe de médecine familiale, CLSC ou en région éloignée. Ensuite, elle s'inscrit à la maîtrise en soins infirmiers et finalement, elle doit réussir l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Maintenant, passons aux activités réservées de l'IPSPL. Elle peut diagnostiquer certaines pathologies, déterminer le plan de traitement, prescrire des examens paracliniques et prescrire un traitement. Elle peut aussi effectuer des suivis de grossesse. L'IPSPL est régie par plusieurs lois, dont la loi 18 du Code de déontologie des infirmiers et infirmières. Cette loi stipule qu'elle doit exercer sa profession selon les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus. À cette fin, elle doit assurer la mise à jour et le développement de ses compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'elle est dans l'obligation d'inscrire un minimum de 20 heures de formation par année, dont 7 heures accréditées et 13 non accréditées, comme toute infirmière. Par contre, l'IPSPL doit s'assurer d'avoir des connaissances à jour en tout temps afin d'avoir une pratique sécuritaire. Elle dépasse donc souvent le 20 heures demandé. L'infirmière praticienne spécialisée de première ligne fait face à des dilemmes éthiques au courant de sa carrière. Madame Lortie nous mentionnait rencontrer plusieurs clients surmédicamentés. L'IPSPL peut faire de l'enseignement afin d'éviter la polypharmacologie. Elle nous mentionnait aussi beaucoup de clients orphelins. L'IPSPL peut assurer un suivi auprès de ses patients. Pour terminer, l'IPSPL a plusieurs rôles. Elle administre des soins directs aux patients. Elle tient compte de la personne dans sa globalité. Elle doit faire preuve de leadership dans son équipe et être capable de se positionner sur le plan éthique. Pour ce faire, elle doit être autonome dans ses actes. Elle doit être capable d'intervenir en faisant preuve de jugement et d'autocritique afin d'intervenir tout en respectant ses limites et les limites de son champ d'expertise. Elle a aussi un rôle pivot très important. Elle doit donc être proactive, avoir une bonne communication et être capable de collaborer avec différents professionnels. Donc, voici les références utilisées pour notre travail. Nous vous remercions de votre écoute. Si vous avez apprécié, partagez la vidéo et votez pour nous!